c'est sur vos ovations, s'il vous plaît, Adrien Malanga, sur la scène Adrien. Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, c'est un plaisir pour moi d'être là devant vous ce soir, à l'occasion de la première édition du bien culturel des pays d'Afrique centrale et nord. Comme vous le savez, les pays de l'Afrique centrale sont originaires du peuple bantou. En partant de l'Angola au Tchad, tout en passant par le Congo démocratique, le Congo Brazzaville, le Gabon, le Sao Tomé, la Guinée équatoriale, le Cameroun, la Centrafrique rencontre une diversité culturelle qui met souvent une barrière entre ces États. L'histoire ne nous apprend-elle pas que la culture, c'est tout ce qui nous reste après avoir tout perdu? C'est pourquoi cette diversité culturelle ne devrait pas être une barrière, mais une richesse. Telle est la raison qui nous regroupe ce soir. Et de nombreux ressortissants des pays de l'Afrique centrale en particulier. Avec son grand retour au sein de la grande famille africaine, une initiative axée sur le rapprochement des peuples et des cultures devient une obligation. C'est pour cela, ce week-end culturel qui a pour objectif de promouvoir la culture des pays de l'Afrique centrale au Maroc et est pour l'Afrique tout entière, car son nom peut paraître restreint, mais le fond reste le même. Lâcher les prisonniers, rappeler de votre côté et partager. Partout j'y vais, je cherche la paix. Lorsque la religion, certains c'est tradition. Si les gestes qui comptent, c'est le monde qui geste. Je prends ma guitare et je cherche le contexte. La vie est de votre côté, ne soyez pas rancunier. La vie est de votre côté et partager. C'est une très bonne initiative. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que le fait de se réunir en tant qu'Africains, parce qu'il faut déjà le reconnaître, le Maroc aussi bien d'être devenu l'Union africaine. Et c'est parmi les événements dont on se sent tous unis en famille, on partage pas mal d'expériences et on apprend. Je dirais que c'est quelque chose de bien, nous nous aimons très bien d'ailleurs. Pour nous qui sommes à l'étranger aussi, ça nous permet de se sentir comme chez nous. Je pense que c'est une très bonne initiative de la part des pays centrafricains, surtout pour montrer la culture africaine aux Marocains et ainsi enrichir la culture des jeunes Marocains. Merci. Je vous en prie.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne pourrais pas finir mon discours sans pourtant vous présenter la structure qui lie au groupe ce soir. Admise au futur, c'est une entreprise de rémunération qui a été créée en 2015. Elle est spécialisée dans la production audiovisuelle, l'événementiel et la communication du jeu. Qui a répondu à notre appel. Par là, je fais allusion à l'ambassade de la Guinée équatoriale, l'ambassade du Cameroun et l'ambassade de l'Angola. Je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont aidés à travailler sur le projet.